Bonsoir, bienvenue à tous. La Ville de Saint-Amable tient aujourd'hui sa séance ordinaire en vidéoconférence, conformément aux directives gouvernementales, qui interdisent toujours les rassemblements intérieurs et extérieurs. Cette vidéoconférence est actuellement diffusée sur la page Facebook de la Ville de Saint-Amable et sera également disponible sur le site Internet de la Ville d'ici la fin de semaine. Les citoyens ont eu l'opportunité dans les derniers jours de transmettre des questions destinées au Conseil. Vos questions feront l'objet de la période de questions habituelle en fin de séance. Je cède maintenant la parole à M. le maire. Bonsoir. Bienvenue à notre deuxième séance vidéoconférence. On va procéder à l'ouverture de la séance. En point 2, 2.1, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 mai 2020. Ça va prendre un proposeur. M. Michel Martel, appuyé par M. Robert Gagnon. En point 3, approbation, procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 7 avril 2020. Ça va prendre un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par Mme France Gosselin. En 3.2, approbation, procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil du 9 avril 2020. Ça va prendre un proposeur, M. Mathieu Daviaud, appuyé par Mme Marie-Ève Tanguay. En 3.3, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil du 21 avril 2020. Donc, un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyé par Mme Vicky Langevin. En 3.4, dépôt, procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 22 avril 2020. Un proposeur, M. Robert Gagnon, appuyé par M. Mathieu Daviaud. Point 4, approbation des comptes du mois, liste des paiements à ratifier et des comptes à payer. Michel. Le son, Michel. Je me suis piégé moi-même, désolé. Du 7 avril 2020 au 11 mai 2020. Alors, la liste des chèques à ratifier, le montant est de 405 952,54. Les comptes à payer, la liste des comptes à payer, 563 481,89. Et la liste des salaires pour les périodes 8 et 9, 298 258,50. Alors, il s'agit de ratifier les paiements effectués et d'approuver les comptes à payer qui apparaissent sur les listes, qui sont jointes aux présentes, et aussi autoriser la trésorière à émettre les chèques nécessaires pour effectuer le paiement des comptes à payer. Je vais prendre un proposeur, Mme France Gosselin, appuyée par M. Mathieu Daviaud. En point 5, administration générale, 5.1, versement d'une aide financière exceptionnelle due à la pandémie de la COVID-19. La boussole, centre de la ressource à la famille, Vicky. Alors, considérant que l'organisme offre actuellement du soutien et des suivis téléphoniques aux familles, des activités et des cours virtuels visant à briser l'isolement et à favoriser les échanges et l'entraide entre les familles, de même qu'en offrant des biens jugés essentiels à ces familles, considérant également qu'en raison de la pandémie actuelle, l'organisme a été davantage sollicité puisque plusieurs familles vivent une situation d'incertitude financière due à la perte de leur emploi, vivent de l'isolement ou présentent des difficultés psychologiques en lien avec la situation exceptionnelle que nous traversons. Considérant que pour maintenir ses services et continuer d'opérer, l'organisme compte sur l'appui financier de ses partenaires et du gouvernement. Considérant aussi que l'aide financière reçue à ce jour par l'organisme a presque été entièrement redistribué au sein de la population. Alors, il est proposé de verser une aide financière exceptionnelle de 5 000 $ à la boussole, centre de ressources à la famille, afin d'appuyer l'organisme en lui permettant de maintenir les services offerts aux familles de la région dans le contexte de la pandémie actuelle, notamment en distribuant des biens jugés essentiels aux familles, ainsi que du matériel pédagogique aux enfants d'âge scolaire. Ça va prendre un proposeur. M. Michel Martel, appuyé par Mme France Gosselin.
rendu au point 7, qui est greffe 7.1, interdiction de rassemblement et établissement de la notion de rassemblement. Marie-Ève. Considérant que l'article 32.1 du règlement 693-00-2012 permet à la ville d'interdire les rassemblements sur toute place publique lorsque nécessaire, notamment en raison de la sécurité publique, tel qu'un état d'urgence sanitaire, considérant le décret numéro 222-2020 émis par le gouvernement du Québec, il y a lieu d'interdire les rassemblements sur toute place publique jusqu'à la levée de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec en raison de la pandémie de la COVID-19, que la notion de rassemblement soit interprétée en cohérence avec les décrets émis par le gouvernement du Québec dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. Ça va prendre un proposeur, Madame Vicky Langevin, appuyée par M. Robert Gagnon. En 7.2, levée des conditions, résolution 065-03-2020, contrat APP 20-001-GE, infrastructure municipale, phase 9. A. Mathieu. Donc, considérant que le contrat APP-20-001-GE, qui concerne la phase d'égout qui va avoir lieu dans la ville cette année, a été adjugé à l'entreprise 175778 Canada Inc., mieux connue sous le nom de Bricon. Toutefois, la résolution est assortie de deux conditions, soit l'approbation d'un règlement d'emprunt et l'obtention d'au moins une aide financière. Donc, considérant que le règlement d'emprunt a été approuvé par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation le 9 mars 2020 et qu'un avis public de promulgation est affiché le 13 mars 2020 toujours, et considérant que la ville utilisera une partie des sommes provenant du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, afin de pourvoir au coût des travaux, il est proposé de lever les conditions inscrites à la résolution d'ordonner les travaux de construction des infrastructures municipales de la phase 9A et d'utiliser une partie des sommes provenant du programme de la taxe d'essence afin de pourvoir au coût des travaux et de débuter les travaux aussitôt qu'il sera possible par l'entrepreneur de le faire. Ça prendrait un proposant, M. Michel Martel, appuyé par Mme Marie-Ève Tanguay. 7.3. Octroi de mandat à la firme Poupard et Poupard Avocat, Service de rénovation RS Inc. et Construction Jolivard Inc. Marie-Ève. Donc ici, considérant que plusieurs lots d'utilité publique doivent être cédés à la ville, conformément à l'entente promoteur signée entre le Service de rénovation RS Inc. et la ville de Saint-Amable en septembre 2013, considérant que les entreprises services de rénovation RS Inc. et Construction Jolivard Inc. refusent de procéder aux cessions de CDO en faveur de la ville de Saint-Amable, considérant qu'il est impossible d'en venir à une entente malgré les diverses tentatives de négociation de la ville, il a lieu de mandater la firme Poupard et Poupard Avocat afin d'entamer et de déposer des recours judiciaires à la Cour supérieure contre les services de rénovation RS Inc., afin de procéder à la cession des lots numéro 5 978 191, 5 978 192, 5 979, 5 978 169, 5 978 200 et 5 979 127 du cadastre du Québec contre Construction Jolivard Inc. afin de procéder à la cession du lot numéro 5 979 270 du cadastre du Québec. Ça va prendre un proposeur, Madame Vicky Langevin, appuyée par Madame France Gosselin. En 7.4, autorisation de signature et délégation de pouvoir regroupement régional d'achat de papier et de carton recyclé, MRC de Marguerite Douville, France. Alors, considérant que le contrat relatif à l'achat regroupé de papier et de carton recyclé arrive à échéance le 13 mai 2020
Et considérant que le processus d'appel d'offres sur invitation lancé par la MRC de Marguerite Dioville a dû être annulé en raison de la pandémie de la COVID-19, il y a lieu d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Saint-Amable l'entente portant le numéro 1611-001-058 relative à la recherche de prix pour l'adjudication du contrat d'approvisionnement de papier et de carton recyclé, et aussi de déléguer à la MRC de Marguerite Dioville les pouvoirs nécessaires à l'exécution de l'entente, soit les pouvoirs d'effectuer une recherche de prix et de conclure un contrat de gré à gré. Ça va prendre un proposeur. M. Michel Martel, appuyé par M. Robert Gagnon. Point 8, service des incendies. 8.1, autorisation de signature et délégation de pouvoir. Mandat relatif à l'acquisition d'un système de radiocommunication. MRC de Marguerite Dioville, Vicky. Alors, considérant que la ville de Saint-Amable souhaite procéder à l'acquisition conjointement avec les municipalités faisant partie de la MRC de Marguerite Dioville d'un système de communication numérique multisite aux fréquences UHF compatibles avec la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu et les municipalités environnantes et servant à couvrir les points morts dans tout le territoire de la municipalité régionale de comté Marguerite-Dubille. Il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Saint-Amable l'entente numéro 1611-001-059 portant sur le mandat relatif à l'acquisition d'un système de radiocommunication et de déléguer à la MRC de Marguerite Dioville les pouvoirs nécessaires à l'exécution de l'entente précitée. Je prends un proposeur, M. Mathieu Daviaud, appuyé par Mme Marie-Ève Tanguay. Rendu au point 10, services de loisirs récréatifs et communautaires. 10.1, adoption, modification aux modalités de remboursement des activités de loisirs. France. Oui, alors, considérant que des frais d'administration sont facturés aux participants qui désirent annuler une activité du service des loisirs à laquelle ils se sont inscrits, et considérant que ces frais visent à couvrir les frais de la plateforme d'inscription en ligne et les coûts administratifs reliés à un remboursement. Considérant aussi que ces frais d'administration représentent actuellement 15 % du coût de l'inscription. Considérant que les frais d'administration seront dorénavant les mêmes pour tous les participants, peu importe le coût de l'activité. Et considérant que ces frais d'administration ne s'appliquent pas lorsque la ville annule d'elle-même l'activité, notamment lorsque le nombre minimal d'inscription n'est pas atteint, par exemple. Il y a lieu d'adopter les modifications aux modalités de remboursement des activités de loisirs et de fixer à 15 $ le coût des frais d'administration imposés pour l'annulation des activités par un citoyen. Donc, un frais fixe de 15 $ au lieu d'actuel 15 %. Ça en prend un proposeur, M. Robert Gagnon, appuyé par M. Mathieu Daviaud. Point 11, services techniques et des travaux publics. 11.1, adjudication de contrat, appel d'offres public, APP 20020GE, assujetti à un système de pondération et d'évaluation des offres à deux enveloppes. Concernant la mise aux normes de la station de traitement des eaux usées et des postes de pompage PP1 et PP2. Michel. Alors, considérant l'appel d'offres publiques, APP-20-020-GE, concernant la mise aux normes de la station de traitement des eaux usées et des postes de pompage PP1 et PP2, considérant qu'au terme d'un processus de pondération et d'évaluation des offres tenues conformément à la loi, M. Missionnaire GBI Expert Conseil Incorporé a obtenu la meilleure note finale, alors, il est proposé d'adjuger le contrat APP-20020-GE concernant la mise aux normes de la station de traitement des eaux usées des postes de pompage PP1 et PP2.
au soumissionnaire titulaire de la meilleure note finale, 3,61, à l'issue du processus de pondération et d'évaluation des offres, soit GBI Expert Incorporé, pour un montant de 381 602 $ et 3 sous, toutes taxes comprises. Alors, un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par Mme Vicky Langevin. En 11.2, adjudication de contrat RP20017TP, tonte de pelouse dans les parcs et terrains municipaux pour les années 2020 à 2022. Robert. Oui, ici, c'est le contrat pour la tonte de pelouse de tous les parcs et terrains municipaux, à l'exception du parc Le Rocher. Donc, considérant la possibilité pour la Ville d'octroyer un contrat de gré à gré après une recherche de prix auprès de au moins 3 fournisseurs, considérant aussi qu'il y a eu 4 offres de services reçues, il est proposé d'adjuger le contrat RP20-017-TP concernant la tonte de la pelouse des parcs et terrains municipaux pour les années 2020, 2021 et 2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit groupe MVP. PT Incorporé, aussi connu sous le nom de Paysagiste GEP, pour un montant total de 65 535 $ et 75, toutes taxes comprises pour les 3 années. Ça va prendre un proposeur, M. Michel Martel, appuyé par Mme France Gosselin. En 11.3, adjudication de contrat RP20-025-TP, seulement des fissures pour l'année 2020. Mathieu. Donc, les travaux publics sont allés en appel d'offres par recherche de prix pour obtenir des services de scellement de fissures dans plusieurs rues de la ville pour la saison 2020. Donc, considérant la possibilité de la ville d'octroyer des contrats de gré à gré après une recherche de prix d'au moins 3 fournisseurs, et considérant les 3 offres de services reçues, il est proposé d'adjuger le contrat RP-20-025-TP concernant le scellement de fissures pour l'année 2020 au plus bas soumissionnaire conforme, soit environnement routier énergie, pour un montant total de 26 194 $ et 80 sous, toutes taxes comprises. Un proposeur, Mme France Gosselin, appuyée par M. Michel Hertel. En 11.4, octroi contrat RP-19-019-TP par cage pour une période d'une année avec 2 années d'option, année d'option 1 et 2. Mathieu. Donc, l'an dernier, la Ville avait octroyé à Marquage Signalisation Rive-Sud BA Incorporé le contrat de marquage de la chaussée. La tente était de 1 an, sortie de 2 années d'option. Donc, considérant que la Ville est satisfaite des services rendus par l'entrepreneur, il est proposé de se prévaloir des 2 années d'option prévues au contrat relatif au marquage de la chaussée, soit pour la saison 2020-2021 et 2021-2022. Il est proposé d'octroyer le contrat pour les 2 années optionnelles de marquage signalisation Rive-Sud BA Incorporé pour le montant total de 20 552 $ et 94 sous, toutes taxes comprises. Ça paraît un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par Mme Marie-Ève Tanguay. En 11.5, autorisation de dépenses additionnelles contre API 17006-GE concernant les services professionnels de préparation de plans et de vie pour des travaux d'infrastructure phase 10. Michel. Alors, considérant la résolution 76-03-17 concernant l'adjudication du contrat API-17006-GE concernant les services professionnels de préparation de plans et devis pour des travaux d'infrastructure, phase 10, à l'entreprise Como Expert Conseil, considérant que les plans et devis ont été modifiés de nouveau, notamment afin d'uniformiser l'éclairage, et de procéder à une mise à jour selon les normes du Bureau de normalisation du Québec, BNQ,
La proposition, c'est d'autoriser, dans le cadre du contrat API 17006GE, paiement d'une somme additionnelle de 2874,37 $, toutes taxes comprises, à Como Expert Conseil, portant la valeur du contrat à 98 293,27 $, toutes taxes comprises. Ça prend un proposeur, appuyé par M. Mathieu Daviau. Proposé par M. Daviau et appuyé par Mme Marie-Ève Tanguay. 11.6. Adhésion et engagement, fourniture de selles de déplaçage des chaussées. Pour une période de 4 ans, achat regroupé avec l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. Mathieu. Donc, la Ville de Saint-Amand a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec afin de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres villes, municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat groupé de selles de déglaçage. Donc, le prix du sel de déglaçage étant constamment en hausse, le but est d'obtenir un meilleur prix en le faisant les appels d'offres de façon groupée. Donc, considérant que la Ville de Saint-Amable désire participer à cet achat regroupé, il est proposé que la Ville de Saint-Amable confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement d'achat géré par l'UMQ pour 4 ans, soit jusqu'au 30 avril 2024, représentant le terme des contrats relatifs à la saison 2023-2024, et que la Ville de Saint-Amable confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom et en celui des autres municipalités intéressées des documents d'appel d'offres pour juger les contrats d'achat regroupés pour le chlorure de sodium nécessaire aux activités de la Ville de Saint-Amable pour l'hiver 2020-2021 à 2023-2024. Un proposeur, M. Michel Martel, appuyé par M. Robert Gagnon. Et rendu au point 13, point, 13.1 et 13.2, nous allons regrouper les deux points. C'est les délégations mineures. Robert. Le 13.1 et le 13.2, ça concerne la même adresse, le 373 de la rue des Saules. Il y a la parcelle 1 pour le 13.1 et la parcelle 2 pour le 13.2. Dans le cas de le 13.1, c'est pour permettre une profondeur de terrain de 29,44 mètres, alors que la profondeur minimale prescrite est de 30 mètres, donc il y a une insuffisance de 0,56 mètres. Pour la parcelle 2, c'est pour permettre une profondeur de terrain de 29,69 mètres, alors que la profondeur minimale prescrite est de 30 mètres, donc il y a une insuffisance de 0,31 mètres. Considérant la résolution numéro 107-04-20, au terme de laquelle le conseil municipal a désigné cette demande de dérogation mineure comme prioritaire, considérant aussi que les citoyens ont été invités à se faire entendre au moyen d'une consultation écrite annoncée par la vie publique le 23 avril 2020, conformément à l'arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu durant la période de consultation écrite qui s'est déroulée jusqu'au 8 mai 2020 à 16h15, et considérant également que la recommandation est favorable du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter tel que proposé les deux demandes de dérogation mineures. Ça me prendrait un proposeur. Madame France Gosselin, appuyée par Madame Vicky Langevin, qui fait pour le 13.1 et le 13.2. On est rendu au point d'information. J'aimerais parler des travaux de pavage sur la rue principale. À partir du 14 mai, nous allons commencer les travaux avec la MTQ sur la rue principale à partir de la rue Guy. C'est important de suivre sur les réseaux sociaux, Facebook. On a des voies de contournement qui vont donner l'information ou sur notre site web de la ville pour aider à la circulation pour les citoyens, parce qu'on fait le pavage de la rue Guy jusqu'à la rue Benoît, qui va faire, mettons, tout le centre-ville également aussi.
Ça devrait durer environ un mois, si je ne me trompe pas, Carmen, hein, c'est ça qu'on avait dit? Environ un mois. Fait que c'est juste pour vous informer, c'est une très bonne nouvelle. On est très fiers parce que le trou principal était dû à un repavage neuf, là, fait que ça va vraiment faire du bien pour les citoyens. Il va y avoir aussi une autre bonne nouvelle qu'on a eue, les travaux d'égout pour la phase 9A. On a eu une subvention avec la TEC, qui est la taxe sur l'essence. Ça va comprendre la rue Dahlia, Delila et Mimosa. On va commencer par cette phase-là. Ça va poursuivre aussi avec la rue Diana, Duloc, Marseille, McDuff. On va tout englober ça. Ça aussi, ça va durer presque tout l'été. Ça va aller jusqu'à cet automne des travaux. Mais ça va nous permettre de combler un autre secteur, de connecter tout sur les égouts de la ville pour ce secteur-là. Fait que c'est bien apprécié des citoyens. On est très fiers. Il va y avoir aussi une autre belle initiative, l'IGA avec la famille Raymond. On va faire une collecte des contenants de consigne, toutes les bouteilles de verre et les canettes. Sur la rue Normandie, où ce qui est notre piscine municipale, ce samedi, pendant 3 samedis consécutifs, nous allons recevoir des citoyens pour les consignes. Tout l'argent ramassé va être remis à un organisme, les scouts de Saint-Amand, ça fait partie de leur... collègues habituels, mais qui ne peuvent pas faire mais présentement à cause du COVID-19. Fait que c'est une très belle initiative de la famille Raymond. On les en remercie. Ils vont bonifier en plus jusqu'à un montant de 2 000 $ pour donner au scout. Fait qu'on vous invite à venir ce samedi et les 3 samedis, les 2 autres samedis suivants, à déposer tous vos contenants de verre, bouteilles vides et de canettes pour aider cet organisme. Ça va être très bienvenu pour les scouts. Et en même temps, ça va aider avec les nouvelles consignes que les ministères ont mis en place pour les consignes. Il va y avoir aussi... j'aimerais vous apporter votre attention. On a, en fin de semaine, c'est un long week-end. C'est la fête des Patriotes. Puis à chaque année, on atteint un point, un pic qu'on appelle d'eau. Puis on est proche de la limite qui nous est permise avec la régie des eaux intermunicipales de Varennes et Sainte-Julie, que nous en font partie. Puis, je veux juste que vous preniez conscience de faire attention, de pas que tout le monde remplisse le piscine dimanche. On peut l'en faire vendredi, samedi, dimanche. On peut partager ça. C'est important de la consommation d'eau parce que c'est... En moyenne, on prend 3 000 mètres cubes par jour, puis dans le long week-end-là, on frôle le 6 000 mètres cubes, c'est presque le double. Fait qu'on aimerait que vous portiez une attention à la consommation d'eau, ce serait très apprécié. Puis ça, c'est la consommation d'eau, mais il faut en faire attention, je pense, à l'année. C'est important d'être responsable. On est rendu maintenant à la période des questions. Je vais te laisser la parole à Alexandrine pour poser les questions comme la dernière. Oui. Donc, on a reçu un total de 6 questions de la part des citoyens. Donc, pour la première, est-ce que les poules urbaines seront bientôt permises? Oui, on a eu des demandes de citoyens, même en début de mandat. Puis là, on a eu quelque chose de quand même plus officiel dernièrement, puis on a rencontré même les citoyens pour faire part de notre réflexion au conseil. Puis on va permettre un projet pilote. En mai, nous allons rencontrer le CCU, qui est le type urbaniste, pour réglementer, encadrer les poules urbaines. Il va y avoir attaché à ça les jardins en façade qu'on va encadrer également en projet pilote. Éventuellement, nous allons faire en 2021 un projet, une réglementation, mais au moins, on va pouvoir vous permettre plus rapidement, dès juin, de procéder en projet pilote. Et
puis on va donner toutes les instructions. Vous pouvez vous informer au service d'urbanisme, puis ils vont tout vous donner les informations comment vous inscrire. Parfait. Notre deuxième question qu'on a reçue, est-ce que la rue principale sera repavée? On a parlé tantôt dans le point d'information. Oui, ça débute le 14 juin. Le pavage va se faire le 14 mai, je veux dire, jusqu'au 14 juin environ. C'est environ un mois, les travaux. On n'a pas les dates précises. Ça commence de la rue Guy. On va commencer les travaux à partir de la rue Guy jusqu'à la rue Benoît. C'est une très bonne nouvelle parce que notre rue principale était due à être resurfacée puis qu'on ait un nouveau pavage. On en est très fiers. MTQ nous a annoncé ça dans le mois de début mai. Fait que oui, très bonne nouvelle. Ça va être fait ces jours-ci. Ça commence. Les travaux commencent. D'accord, merci. Troisième question. Serait-il possible de demander à la ville de Sainte-Julie de faire installer un feu clignotant au croisement juste avant le Rouneur, car la nuit, on ne voit pas où se trouve le croisement, surtout s'il y a de la neige? On parle bien du croisement où il y a la montée des 42. Montée des 42, oui. Il y a des travaux qui vont se faire à partir du mois de juin avec la ville de Sainte-Julie pour la 229 et la route de la rue principale qui s'en va jusqu'à Cyril-la-Pointe. Et la demande de la municipalité de Saint-Amable est déjà en communication avec la ville de Sainte-Julie. Puis Sainte-Julie va faire la demande au MTQ parce que cette route est numérotée puis elle appartient au MTQ. Les demandes sont déjà faites. Et? Ensuite, on a la question numéro 4. Est-ce que la ville de Saint-Amable est en communication avec Hydro-Québec en ce qui concerne les coupures électriques fréquentes dans la ville? Y a-t-il des recours qui ont été entamés? Est-ce que la source de toutes ces coupures a été identifiée pour éviter que ça ne se reproduise? Oui, on a communiqué dernièrement avec Hydro-Québec. Il va y avoir une équipe. C'est retardé un petit peu à cause de la COVID-19. Toutes les mesures vont être mises en place. Ils vont passer avec une équipe pour vérifier dans les bois de verchère où les lignes traversent pour faire des mondages. Parce que souvent, c'est des branches qui touchent au fil électrique qui occasionnent des pannes électriques. Également aussi pour la section A et D qui appellent, c'est des réseaux en fin de ligne. Ils vont changer les disjoncteurs pour permettre qu'il y ait moins de pannes électriques. C'est les réponses qu'on a eues d'Hydro-Québec. Les travaux vont se faire cet été et cet automne. C'est les nouvelles que nous avons eues actuellement d'Hydro-Québec, mais vous pouvez toujours vous appeler au service à la clientèle d'Hydro-Québec et ils vont pouvoir collaborer pour nous dire. Merci. D'accord. Question numéro 5, y a-t-il moyen de faire quelque chose concernant les feux de camp et les vidanges qui brûlent tous les jours dans la ville? On a un service d'incendie on a un règlement pour les feux extérieurs. Les services d'incendie vont inspecter chaque demande qui a été faite à la ville. S'il y en a qui ne sont pas réglementaires, que vous apercevez qu'il y a des anomalies, vous avez juste à viser le service d'incendie, puis ça va nous faire plaisir d'aller rencontrer les citoyens pour qu'ils soient réglementaires, qu'ils se mettent aux normes. Le service d'incendie est là pour ça. Ça va nous faire plaisir d'aller voir ces citoyens. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Je vous dis tout. Maintenant, la dernière question. Il reste un an, c'est bon. Non, on a une dernière question. OK. Oui. Est-ce que l'interdiction de distribution du Publisac a déjà été envisagée sur le territoire de Saint-Amable? J'ai pourtant posé l'autocollant que Publisac m'a envoyé pour cesser de le recevoir, mais ça ne fonctionne que 2 fois sur 5. Certaines villes imposent aux citoyens qui désirent le recevoir d'apposer un autocollant sur leur porte et ceux qui ne veulent pas le recevoir n'ont rien à faire, ce qui m'apparaît beaucoup plus logique. On peut contacter le centre de distribution de Publisac pour ce problème-là, mais nous, c'est important qu'il continue parce qu'on encourage le journal local qui est La Relève. Certains citoyens qui ne sont pas aptes à la technologie d'aujourd'hui, dans Facebook ou d'autres sites pour avoir accès au journal de La Relève. Fait que
je pense à nos aînés, fait qu'on trouve important de continuer à encourager le journal local puis de distribuer le Publisac. C'est l'orientation du conseil. Merci. Il n'y a pas d'autres questions? C'est tout pour la période de questions, Stéphane. Oui. Que ça va mettre fin à la séance. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Ça va me prendre un proposeur. Ah ben oui, un proposeur, je m'excuse. Un proposeur. Ça va prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Robert Gagnon, appuyé par Monsieur Mathieu Daviau. Merci beaucoup. Merci.